Le CHU de Rouen et l'UFR Santé ont organisé le 18 novembre 2021 une soirée à la Halle aux Toiles de Rouen pour accueillir les nouveaux internes venus se former dans l'Eure et en Seine-Maritime. De nombreux partenaires étaient présents pour faire découvrir la richesse culturelle et sportive de notre ville, comme notamment l'Opéra de Rouen, le 106 ou encore le Rouen Hockey Elite. J'espère se qualifier pour vous offrir l'éventuelle possibilité de venir voir un match de quart de finale de Coupe d'Europe. Et pour que chacun puisse faire connaissance, un cocktail en musique était proposé avec le groupe Django Club. Ce temps d'échange avec les représentants de la CME et de l'UFR Santé fut très apprécié des jeunes médecins. Mais franchement, non, on a bien rigolé et il y a une bonne ambiance. On est content d'être ici. Au début, je voulais partir très loin de Paris parce qu'on est tous les deux de Paris. Et je voulais même aller en Martinique. Et j'ai une copine de Rouen qui m'a dit « Rouen, c'est cool. Et la Martinique, c'est loin. » Et donc, je suis venu ici. C'était cool. On a bien rigolé. Ma famille était plutôt contente que j'aille pas trop loin. Et voilà, on a dit banco. En plus, la formation est bonne, donc... ça vaut le coup. Hein. J'avais fait un week-end par hasard l'année dernière à Rouen et j'étais tombée sous le charme. J'adore les petites ruelles, j'adore l'ambiance, j'adore tout ce qui est un peu culturel, etc. Les visites, j'avais visité les différentes églises et choses comme ça. C'est très, enfin, tous les monuments que cette ville peut offrir. Et du coup, je me suis dit, go Rouen et je ne regrette absolument pas. La soirée des internes a lieu chaque année en novembre, mois où Rouen accueille la Foire Saint-Romain, première fête foraine de France, de quoi passer une after sympa.